suis fou de joie et ému quand je l'entends, et surtout quand je sais que tout le monde va pouvoir en profiter parce qu'il était à Paris. Gentil. Merci, mon petit Lolo. Rencontré Roger O'John, parce qu'en fait, ce qu'on a entendu, c'est la voix de Supertramp, du groupe Supertramp, mais la voix de ce chanteur incroyable, c'est Roger O'John, qui a quitté Supertramp en 82-83. Ouais, mais qui ne s'est pas arrêté de produire. On est et non, exactement, il a fait, par exemple, ce disque qu'on connaît peu, qui s'appelle Open the Door, qui a été signé, voilà, qui est très très bien. C'est exactement dans la suite de Supertramp. C'est quand même lui, voilà, Breakfast in America. Qui n'a pas écouté Breakfast in America en boucle sur son petit Walkman avec la cassette, hein, voilà. Et donc, on a eu la chance de rencontrer, il était en concert à l'Olympia, 5 Olympias de suite, le carton absolu, qui fait une tournée cet été, plein de festivals. Et Roger nous a fait une petite leçon de piano et une leçon d'humilité aussi devant la gentillesse de cet homme. Regardons. Alors, il y avait aussi un extrait audio, c'est pas grave. Non, parce que les chansons de Roger, c'est pas non plus super compliqué. Alors, un petit souci. Voilà. Alors, on va remettre. Non, sinon, c'est bon. On peut chanter aussi. Là. Oui, bah oui, sinon, on peut chanter. Je voulais. Oui. Non, c'est bon, c'est accordé. Hein. Non, living, non, j'y non, vais. Non. Ça sonne mieux. Ah, je sais. Oh, oui. Vous connaissez. Vous écoutiez ça quand vous étiez plus jeune. Oui, c'est Holst, The Planet. Na 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 na. Oh, yeah. Ah oui, vous l'avez. C'est un arrangement très orchestral. Oui, oui. Mon compositeur favori est Debussy. You did it. J'ai tellement de liens avec la France. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un jour particulier. Très important pour moi. Oui. Chevalier des arts et des lettres. You've got vous avez une très jolie médaille. Oui, je sais. Tu veux la voir? Incroyable. Je suis entièrement reconnaissant pour ça. Pour votre soutien, pour vos mots gentils. All this support. This really. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré. Je ne m'attendais vraiment pas à ressentir une émotion aussi profonde. C'est le saxophoniste de Supertramp. C'est en 79, au concert à Paris. Il dit qu'il y a un peu plus de monde qu'au Bataclan. Vous avez joué au Bataclan, il n'y avait personne. 10 personnes? Oui, il y a des versions différentes. Il n'y avait pas plus de 12 personnes, en fait. Et plus tard, ça a été le Parc de Sceaux. Et puis là, cette année, pour vous, 5 Olympias. Oui, au Parc de Sceaux, il y avait 80 000 personnes. J'y étais. Ah oui, je t'ai vu. Non, non, c'est moi qui vous ai vu. Je vais accrocher ma médaille. Elle est vraiment trop belle. Ne vous blessez pas. La prochaine fois que vous venez à Paris, j'aurai appris à le jouer. Ok. Oh, ça y est, je transpire. Oula. Merci, Roger. Tous des dreamers là. Ah ouais. Waouh, merci Alex. Non mais attendez, mon petit cadeau, c'est ce que j'ai oublié de faire juste en introduction, c'est un petit best-of de ce qu'a écrit Roger. Écoutons bien, vous allez voir. Que des choses que vous connaissez. Roger. Une autre. C'est carrément dingue. En fait, c'est une vingtaine de tubes comme ça. Vous allez au concert, vous dites ah non, c'est lui, ah c'est aucun. Enfin voilà. Cet homme est tellement gentil. J'ai une petite annonce à faire, j'ai le temps ou pas? Ouais. Voilà, c'est le festival, voilà, la nuit des arènes. Peut-être qu'on a une affiche qui va avec. Oui, absolument. Voilà.
du 13 au 16 juillet. Voilà, c'est intéressant parce que c'est à la fois des débats, des concerts et des spectacles. C'est pas seulement de la musique. 13 juin, oui, pas juillet. J'ai dit juillet ? Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis couché tard, en fait. Voilà. Ce qui est important, c'est que tout sera sur les internets, hein, évidemment. Si vous avez les internets ? Oui, nous les avons. Ce truc des internets. Merci, Alex. Mais c'est bien, les internets. N'importe quoi. Merci.